partout. Je suis nulle part. On est partout. Je suis nulle part. S'il vous plaît, la police, il y a réellement encore des affaires qui sont là. C'est les menottes. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur ? Rien, j'ai été sorti avec énergie, comme on dit. Et qu'est-ce qui a provoqué ces blessures ? C'est les menottes. Les menottes, vous ? Les menottes dans le dos, en me portant par les bras, à l'envers, à 8 ou 9 dessus, parce qu'ils sont courageux. Vous avez résisté lors de l'intervention ? Pas du tout. Pas du tout. Bon. L'évacuation des intermittents au carreau du temple vient d'avoir lieu. Les forces de l'ordre ont investi l'espace. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Bah, écoutez, comme vous venez de le dire, les intermittents avaient investi le carreau du temple. Et donc jusqu'à ce soir, donc ça faisait 59 heures qu'ils étaient présents dans le carreau. Et ils étaient en pleine discussion à l'intérieur pour savoir s'ils allaient sortir d'eux-mêmes. Juste après les élections, juste après les résultats des élections, les CRS se sont mis en place pour faire une évacuation. Et je suis totalement choquée humainement, pas forcément parce qu'il se passe, parce que ce sont des choses politiques et je comprends que les CRS soient là. Je suis choquée par le fait qu'on frappe des gens, qu'on les mette en sang pour les faire sortir, des gens qui étaient prêts à la base à sortir d'eux-mêmes, qui étaient en pleine négociation à l'intérieur pour trouver une solution pour sortir d'eux-mêmes de ce bâtiment. On va les chercher. Il y a des personnes qui ont été menottées, sur lesquelles on s'est acharné à 6 dessus, des gens qui sont sortis mais complètement en sang. Mais c'est humainement... Je comprends pas, ce sont les gens à l'intérieur et les gens dehors sont des gens qui défendent des droits qui sont pour tous, pour les CRS, pour les intermittents, pour les précaires, pour les chômeurs, pour les intérimaires, pour tous les salariés, les gens même qui ont un emploi aujourd'hui auront peut-être besoin de l'assurance chômage un jour, je leur souhaite pas, mais certainement peut-être que ça va arriver et ça concerne tout le monde et je comprends pas qu'on puisse arriver à de telles violences dans un cas aussi général que celui-ci. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Quel est l'avenir du mouvement de l'intermittence ? Ça va vous mobiliser encore plus ? De toute façon, quoi qu'il arrive, cet accord qui a été signé, on est contre, parce qu'il a été signé dans des conditions lamentables, antidémocratiques. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit revu. On veut un lieu dans lequel on puisse se réunir. Et c'est pour ça qu'on était au carreau du Temple. Aucun lieu décent ne nous a été offert jusqu'à présent. On nous a offert des lieux perdus au milieu d'arrondissements complètement dévastés par tout le monde pour nous désolidariser. C'est pour ça qu'on est resté là, pour pas être désolidariser pour rester ensemble. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à être ensemble. Je ne sais pas si ça va nous mobiliser davantage. J'espère que oui. En tout cas, beaucoup de gens qui sont ici vont rester au taquet parce que cet accord, il est signé et qu'il ne faut pas que ça passe à l'agrément. C'est pas possible. C'est pas possible.